Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Avec transformation numérique là, institution nous, service nous, pour avoir une capacité pour sauvegarder les données. Mais pour le fait, il faut institution nous, service nous, nous connecter, nous avons l'autre. Je dis toujours que l'homme parle pas de problème. À quelqu'un de compagnie qui baille service internet. Mais nous-mêmes, nous prenons un résultat. Et nous clairs. Je dis à que le résultat n'est pas bon. Ça veut dire, si le résultat n'est pas bon, c'est que l'État gaspille l'argent. N'a acheté mauvais internet. Si le résultat n'est pas bon, c'est que l'État, même j'en réforme faite, dans le secteur énergie, comment c'est un courant dans le pays, il a continué. C'est pour réforme faite dans le secteur ça, tout. Pour qu'il y ait un bon jeu internet pour tout le monde. Pour services publics autant pour privé. Pour tout le monde qui vive dans tout le coin pays. Mais pas oublier pour internet la marché, pour nous y un courant tout. Et c'est pour ça que le travail est fait. Pour mettre courant dans tout 147 communes BIA dans toutes 572 sections communales. Parce que l'accès à l'Internet, son droit que tout haïtien. Nous, chaque ministre, directeur général, cadre technique qui est dans l'administration publique, là, l'institution publique, c'est faire amélioration chaque jour qui plus pour porter service de qualité par les citoyens. Quel que soit côté de l'amélioration, ça n'a pas l'air. Il peut commencer dans la modernisation numérique administration, institution, protocole et procédure. C'est pour ça, dans la date 1er juillet 2020, on a fait publier dans le journal officiel Le Moniteur, il y a un décret qui baille IHSI mandat pour accompagner l'administration publique là. Nous mettons des bonnes infrastructures technologiques qui ramassent l'information pour faciliter l'État à orienter politique plus bien. Ça veut dire orienter politique pour mettre service public au service peuple. Pas de pays sous la terre que nous avons même rêvé développement sans outils technologiques. Il faut nous mettre pour utiliser comme ça doit. Au bénéfice de la population. Nous, au niveau du gouvernement, nous sommes très conscients de ce qui se passe. Nous sommes conscients que le degré de corruption est trop haut. Nous sommes aussi conscients que la pression fiscale, ce n'est pas celle que nous devrions avoir pour être compétitifs avec les autres pays de la région. Mais nous conscients que l'insécurité, hein, 84% de matière grise, de monde qui est master dans le pays, qui cal vivre dans le pays étranger, c'est l'insécurité qui fait ça. Nous conscients que comme diaspora, les venir, les entrer dans le pays, c'est pour aider le monde, c'est pour vous manger, c'est pour payer l'hôpital, c'est pour payer caille. Et diaspora n'a pas qu'à venir investir en Haïti parce que l'insécurité est trop haute. M'a profité. Rassurer la population pendant que je demande pour lui être vigilant, pour lui être très prudent. Il y a des gens qui fâchent le monde pour être prudent. La prudence est mère de succès, c'est ce que j'ai appris. Et m'a profité de ça pour informer toute population que les bandits ont attaqué pendant que je parle là, trois patrouilles. La police. Ils ont attaqué un village de Dieu qui se soit. Ils ont attaqué une patrouille de police administrative qui est dans Delma. Ils ont attaqué
commissariat Grand Ravine. À la guerre comme à la guerre. Maintenant, des populations en boule prudent, pas été dans le champ de tir parce que la police a réagi. Nous souhaitons que pas de victimes collatérales, mais quant aux bandits, nous déclarons la guerre au niveau du gouvernement. Ça, hein? C'est pas. Lycée tout neuf, ça a bien la donne, 12 salles classe cap mesuré 50 mètres carrés au chaque. C'est firme construction Enstrap Engineering SA qui décroche contrat ça à compagnie supervision Archivolt SA. Bâtiment tout neuf ça a respecté normes qui garantit sécurité bâtiment à tout niveau. Donc, projet en termes de consistance, nous gagnons deux bâtiments en béton armé qui a résisté à tout effet sismique et qui calculé en ce sens. Et le ministère des Travaux publics pour vérifier, ou bien le service d'hygiène scolaire qui vérifie, tout le barré ça répond à exigences que nous avons besoin en matière d'infrastructure. Et deuxièmement, nous avons gagné bâtiment ça à Capretio, nous avons gagné des voiles de béton qui là, tant qu'au niveau du rez-de-chaussée qu'au niveau de l'étage, qui répond à tout effort latéral au Cap-Puni. Donc son bâtiment totalement en sécurité pour nouveaux élèves qui habitent là. Capacité salle d'éducation, des salles d'éducation, de chaque salle d'éducation fait 50 mètres carrés. Donc nous gagnons, chaque bâtiment a gagné 6 salles de classe. En tout, nous gagnons 12 salles de classe. Nous avons gagné 2 salles d'éducation, nous avons gagné 1 bloc administratif et 11 salles de classe pour les élèves. Nous gagnons 2 blocs sanitaires cap au fond du clôture et nous gagnons un bloc logement pour gardiens. Construction lycée tout neuf ça rentré dans ligne droite avec vision président républicain Jovenel Moïse qui souhaitait agrandir parc scolaire là à 15 000 salles classe et puis 10 lycées pour permettre plus de monde d'avoir accès à l'éducation. Ministre éducation nationale là Pierre Josué à Génor Cadet dit la travail pour respecter feuille de route li. Faut qu'on dit que notre cadre vision président république là son excellent Jovenel Moïse qui m'a demandé depuis en 2017 les monter comme ministre pour nous chercher des gens pour nous mettre 15 000 nouvelles salles de classe dans le pays de manière pour nous capables de combler en 2017 vite qui dégagne qu'on dégagne 10% de monde qui gagne l'âge par l'école qui pas d'école et aujourd'hui nous avons un taux de scolarisation qui dépassait 90% mais il faut que nous travaillons pour tout joindre côté bien l'école dans la feuille de route que nous gagnons en même tout depuis en 2017. Eh bien, il y a trois bagailles qui sont prioritaires là-dedans. C'est ça, nous, la gouvernance, accès à l'éducation et qualité de l'éducation. Depuis en 2017, malgré tout mauvais vent, nous travaillons dans ce sens-là. C'est comme ça. Sorti l'année 2017 pour arriver l'année 2020, dans jeudi à la même, nous avons construit 143 écoles tout neuf. Et pendant ma parole, il y a 25 lots qui ont construit avec fonds FNE à travers tout le pays, sans compter un pile lot qui ont construit avec fonds trésor public, notamment 10 lycées présidents et annoncés. Dans 10 ça, ils sont seuls qui ont commencé parce que qu'on tire état toujours dans le DGI sous question de déclarer d'utilité publique là pour nous capables de construire le lycée Jean-Jacques Dessalines. Construction lycée ça doit bout dans 13 mois d'après ça qui prévoit dans contrat qui signé entre responsable. C'est un projet qui coûtait environ 78 millions de goudes grâce à financement Fonds national éducation FNE.
besoin de ça. Et puis, ouais, on première dame tout, qui fait déplacement, puis nous voit Timoun même, ça fait un chaud au cœur. Ça, comment vous évaluez quand c'est Timoun qui l'a capable de recevoir? Section AM, non, il y a 650 à 700 élèves. Alors, pas comme pour PM, non. Mais AMPM a carré plus de 1000 élèves. À compter Emmanuel Kant, Mette Vence, à côté l'école Jean-Ducamel de Ozma, l'école Adventiste, plusieurs autres écoles qu'on a invité qui viennent là, donc allons 1000 à 1500. Accompagnement en matière de kit scolaire et chaussures que vous avez donné à nos élèves ici ont été une aide précieuse pour nous tous les gris. Nous remercions au professeur pour nous soutenir notre salut et pour accueil pour nous dans les gris pendant notre venue. Vous connaissez le même travail nous l'avons fait. Nous sommes tous les gens qui ont dit ça déjà longuement. Sorti quelque chose à jouer pour le porter. On me dit que je vais aller dans le soulier, je connais ça à l'école. Maintenant, je vais aller petit peu bien. Donc, message pour moi, je vais aller au président Joseph Lio,
mon collège suivi et pas moi-même qui jamais fait. Même juste au couloir de communication pour que le nouveau message ne va pas faire passer. Donc vous connaissez que les messages là, je ne peux plus donner un soleil mon tissus, vous m'attendez et la faire. Toussaint Louverture, section AM, recevoir une première dame qui venait distribuer kit scolaire pour tout le monde. Ça capable permettre que l'apprentissage a fait plus bien parce que des quelques matériels qui nous ont manqué. C'est combien d'écoles qui la matin à Toussaint? Matin, il y a toute l'école qui est dans le centre-ville. Là, quand on recevoir kit, il y a à peu près 1125 timides. Okay. Quand on recevoir kit qui est dans toute ville. Ils sont belles gestes. Et ça capable de permettre tout, l'école privée de diminuer la quantité à l'autre année à cause de la distribution de cette fête-là. Vous comprenez? Et les fêtes là, ça va permettre par un envoyer un petit monde pour nous. Nous avons besoin prioritaire parce que faut nous dire des petits monde là. Des petits monde là qui peut trouver un cahier. Des petits monde là qui peut trouver une valise. Hmm? Ça c'est un geste symbolique de la part nous fier tout de ce que c'est dans l'école noire en distribution. Et nous sommes contents. Jodi, dans la date 2 décembre 2020, pour nous recevoir Mme Martine Moïse comme la première dame de la République d'Haïti et qui toujours pensait à petite Lio qui est dans le pays et en particulier, elle pensait avec Timoun qui est dans l'école commune Henry, dans le district scolaire d'Henry, qui est responsable. Nous sommes vraiment contents parce que après une rentrée scolaire, c'est difficile. Côté que les parents ont en pile difficulté, en pile problème. Et Mme Martine Moïse est capable de venir pour contribuer grandement avec le kit scolaire qu'elle distribue, avec les chaussures qu'elle distribue à Timonio. Nous pensons que c'est capable d'encourager les parents et c'est capable de aider pour que Timonio aille à l'école avec matériel et avec des chaussures. Thank you.
est-ce que vous content pour ça ou ce voyage? Oui, je suis très content. Je remercie Jovenel en paix avec Mme Martine. Je servi comme si c'est maman pour nous. Je remercie pour ça. Nous avons une valise, un soulier, nous avons un cahier, nous avons un crayon coulé et nous avons un règle là-dedans. Nous avons une valise soulier, nous disons merci madame. Je joue un soulier, je joue une valise, je joue un crayon, crayon couleur, je joue un cahier, je joue un livre. Je dis merci pour ça parce que je n'ai pas d'espoir pour ça. Je dis merci en pile pour ça, je n'ai pas d'espérer et lui-même lui fait un cadeau. Nous nous sentons contents, nous nous réjouissons par le fait que, sans attendre que les délégués passent l'arrière pour mettre nos courants, de telle activité qu'a fait l'après-midi. Pour tout le monde, premier, deuxième cycle. Alors, et dans toute année avant, ça va être fait l'école là. Ok? Dans toute année avant, ça va être fait. Pour nous, c'est une grande première. Nous félicitons l'activité, nous contentons et nous avons souhaité pour ça toujours continuer à faire dans bien tout le monde. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babiz ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.